Oyez, oyez, ici. Et maintenant, les aboyeurs vont aboyer. Alors oui, bon, c'est vrai, on ne se connaît pas encore. Mais maintenant, vous connaissez le texte, n'est-ce pas? Oyez, oyez, ici. Et maintenant, les aboyeurs vont aboyer. Et vous voyez annoncer programme des festivités. Mais pour commencer, et pour votre plus grand confort, je vous propose de nous suivre en musique à un endroit où vous serez confortablement assis à l'ombre. Qu'en pensez-vous? Ouais. Parfait, maître sonneur, fais-nous une petite marche. Allez, on retourne, par exemple. Alors, on va marcher comme ça sur ce morceau, hein. Comme en Bretagne, bien sûr. Alors voyons. Oyez, oyez, ici, maintenant, les aboyeurs vont aboyer. Et vous paillez. Ah non, c'est le programme des festivités. Alors, il y aura du sang, il y aura des larmes. Et vous allez aimer. Eh ouais. Mais il y aura du chant, il y aura du charme. Et vous en redemanderez. Jongleurs, saltimbanques, hommes en armes, des écuyers, des chevaliers, de belles dames, des comédies, des facéties et des drames. Il y en aura pour tous les goûts dans ce programme. Mais puisqu'aujourd'hui, dans cette belle cité de Briançon, c'est jour de fête, commençons tout naturellement par festoyer, bonnes gens. Ouais, c'est vrai qu'on est à Carcassonne. Mais bon, on n'est pas tous les plus. Ah ouais, c'est sûr, hein. Thank you.
entre la pointe de mes oreilles et la pointe de mon nez caressant mes temples, Blanchet me parvient à son type qui me rajeunit. Je sens déjà mon pied battre le pavé comme lorsque je dansais les branles autrefois. Mais ce son sera bientôt tous nous mettre en émoi. Car sur un caillardi, mon vieux corps flétri, vos corps jeunes et beaux se déchaîneront bientôt. Notre alchimie sonore en potion de jouvence vous donnera l'intense bonheur de la transe. Alors, pour bouger votre panse, nous, on vous donne la cadence.
respecte notre maître jongleur. Ouais. Oh, mais allez-y, continuez, j'adore ça. À propos des jongleurs, laissez-moi vous dire une bonne chose. Une bonne chose. Un jongleur, par principe, par principe, un jongleur est quelqu'un qui vous lève, donnant comme facile des choses difficiles. En voyant son labeur, on se sent inutile, se jouant de nos peurs dans ses gestes graciles, arrachant nos clameurs pour notre plus grand bonheur. Il est le pendant de notre incapacité à faire voler le moindre de ses objets. Chavirant notre cœur, c'est lancer en douceur, vibrante courbe, divinement dessinée sur le champ fondateur de notre créateur. Et s'il est roux dans son malheur de jongleur, deux fois par notre église, il est excommunié, alors qu'il est un messie, tel notre sauveur. Et quand, jonglant, il prie pour nos âmes souillées, un vrai, un pur, un père de nos chrétiennes valeurs, un martyr joyeux, semblant nous amuser, mais qui nous donne sa joie, sa foi et sa bonté. Ouais. Sachez tout de même qu'il est un oracle, c'est-à-dire qu'il pose une question à Dieu lui-même en lançant un objet, et Dieu guide l'objet dans ses mains ou pas, selon votre considération là-haut. Alors, n'oubliez pas, lorsqu'il lance un objet, il se pourrait bien qu'il vous retombe sur le nez. On en a un pêcheur. Venez, mon bon sire. Allez, viens. Venez. La danse, ça fait. Alors, bienvenue chez les pêcheurs. Vous ne faites vraiment pas.